Salut tout le monde, c'est Benji Glitcher. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour vous présenter un glitch de tenue modée. Donc c'est le meilleur glitch pour avoir des tenues modées, pour créer ses propres tenues modées soi-même. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo les gars. Donc pour commencer, vous allez faire menu pause. Allez dans All Ligne, ensuite vous allez aller dans Liste et vous allez tout simplement créer une liste. Et donc vous allez aller dans Course et mettre exactement la même course que moi car c'est celle qui se termine la plus vite. Donc vous allez mettre Casier Judiciaire et vous allez tout simplement l'enregistrer et lancer la liste. Une fois qu'on a terminé l'activité de la liste, eh bien, nous allons nous rendre tout simplement à la course contre la montre. Donc moi pour ma part c'était à l'aéroport. Donc je vais directement me rendre à l'aéroport et on se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé les gars, vous allez tout simplement prendre un véhicule, n'importe lequel, et vous allez vous placer sur le cercle. Et tout simplement vous allez faire flèche de droite. Et une fois que vous avez fait flèche de droite, vous attendez qu'il y ait marqué une seconde et vous allez faire flèche de bas et prendre Franck là. Et vous allez accepter le message et normalement ça va vous faire déconnexion de la session les gars. Donc on se retrouve en mode histoire. Une fois arrivé en mode histoire les gars, vous allez tout simplement descendre de votre véhicule si vous êtes dans la voiture de Franck là. Et donc là tout simplement j'allais vérifier si on était en session sur invitation pour la suite du glitch. Car je suis un mauvais joueur et oui, même si vous êtes un mauvais joueur vous pouvez le faire. Donc là tout simplement je vous montre qu'il vous faudra une peyote volant, donc un oiseau. Et là je vous montre l'emplacement mais je vous mettrai bien évidemment le lien d'une vidéo pour plus de précision. Une fois que vous avez tout ça, vous allez faire pavé tactile, mode réalisateur et vous allez accepter tous les messages. Une fois à la caravane les gars, vous allez tout simplement aller dans acteur favori pour mettre votre buse ainsi que votre personnage du online. Donc là je vous montre quelques tenues modées mais qui ne sont plus transférables à cause du masque. Donc je vous parlerai après du masque, enfin des masques de Noël que vous pouvez exporter en online. Donc pour les mettre en favori, vous allez tout simplement aller dans acteur, animaux, buse et vous appuyez sur triangle. Pour celui du online, vous allez dans personnages en ligne et vous prenez GTA Online numéro 1 et vous appuyez sur triangle pour le mettre en favori. Une fois que tout ceci est fait, vous allez dans acteur favori et tout simplement vous allez bloquer votre joystick gauche vers le haut pour que votre oiseau se duplique. Et tout simplement vous allez attendre 25 à 30 minutes pour que votre personnage soit bloqué à la botte de foin. Et une fois qu'il est bloqué à la botte de foin, vous allez continuer de le faire 10 à 15 fois pour qu'il soit vraiment buggé. Et après ça, je vous explique.
Donc me revoilà les gars, donc excusez-moi, je n'ai pas pu enregistrer le moment où mon personnage était bloqué sur la botte de foin, mais comme vous pouvez le voir, j'ai des tenues modées. Donc pour que vous ayez des tenues modées, vous allez tout simplement aller dans Acteurs et aller dans Plage et puis aller sur Balade ou Culturiste et vous allez tout simplement appuyer sur Carré pour rechanger de tenue à chaque fois les gars. Mais pour apporter des tenues modé en online, il vous faut obligatoirement un masque de Noël. Et voilà les gars, là je vais pas tarder à trouver la tenue que je veux apporter en online. Donc malheureusement pour la suite, pour montrer la méthode, je n'ai pas pu enregistrer car ça se fait avec le menu de PlayStation. Mais malheureusement je n'ai pas d'AverMedia pour vous montrer tout ça. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. Là je vais vous mettre soit un extrait ou soit dans la description la méthode pour enregistrer. Et donc si vous voulez que je vous montre comment frise les masques pour apporter vraiment n'importe quelle tenue, je vous demande un maximum de force et un maximum de commentaires, un maximum de j'aime. Et aux 35 abonnés, je sors cette vidéo-là. Sur ce, c'était Benji Glitcher et ciao tout le monde. Bye.